J'ai attrapé un coup de soleil. Voilà, ça y est, c'est dit. On peut passer à la vidéo, s'il vous plaît? Promis, j'en envoie qu'une dans les airs. Après ça, j'arrête. Allez, vole. On en enverra peut-être une autre par la suite parce que celle-là est... Oh non, ça va, elle est bien partie. Vous la voyez, n'hésitez pas à faire un vœu. Ça me procure toujours autant d'émotions quand je les vois s'envoler comme ça. De par les cieux. Alors vous êtes beaucoup à vouloir participer aux épisodes de Scrap Mécanique et ça me fait extrêmement plaisir, vraiment merci à tous et à toutes. J'ai sélectionné aujourd'hui quelques constructions que vous m'avez envoyées via le workshop, mais hop 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 hop, pas plus de spoil que ça. Nous allons les découvrir ensemble durant cette vidéo. Ça a changé Scrap Mécanique? Non je déconne, non non, y a rien qu'à changer cette fois. Je crois pas. Comme d'hab, si vous aussi vous voulez participer aux épisodes, je vous mets un petit screenshot. N'oubliez pas de renommer vos constructions dans le workshop et vous passerez très certainement dans la prochaine vidéo. Aussi dans le dernier épisode, j'avais lancé une bouteille à la mer. Si toutefois quelques personnes voulaient partager mes vidéos, bon, je ne m'attendais pas à grand chose. Hein. Mais non, je déconne! Vous êtes 335 les mecs à avoir partagé la vidéo! 335! Donc, déjà, je voulais vous dire un grand merci, vraiment, merci à vous. Puisque c'est grâce à vous si de nouvelles personnes découvrent la chaîne au fil du temps. Mais on ne va pas s'arrêter là, je suis sûr qu'il y a encore plus de personnes qui peuvent partager et ainsi plus de personnes qui peuvent rejoindre pour participer aux prochains épisodes. Donc, je compte sur vous, on fera un bilan pour cette vidéo. Et c'est pas mal ici, franchement, c'est bien plat, je trouve. Hein. Bon, on va peut-être déménager un petit peu plus tard, mais à voir. Y a pas la grand-mère dans le coin? Je ne la vois guère. Comme d'hab, bien sûr, je ne vous le répète jamais assez, mais vraiment merci pour vos retours incroyables, tous les likes, tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller checker le petit lien G2A qui se trouve dans la description si vous voulez acheter vos jeux moins chers, que ce soit Scrap Mécanique ou un autre d'ailleurs. Je vous lis tous et toutes dans les commentaires et... Ah, oh, pas mal. Là, on est bien. On va se mettre là. On envoie juste une autre. Après, j'arrête. Tiens, va rejoindre ta copine, mamie. Oh, comment qu'elle est partie, elle est tellement belle, elle est tellement gracieuse, elle. C'est plein de poésie. Je vous le dis, de toute façon, cet épisode va être plein de poésie. Va très certainement y avoir de l'émotion, hein. Donc, une fois de plus, j'ai sélectionné des constructions inédites que nous n'avons pas encore vues sur la chaîne. Et on commence tout de suite avec celle de Noah425. Salut, Jolotte! Salut, Noah! Premièrement, merci d'avoir testé mon cochon dans la vidéo Les Génies de Scrap Mécanique et d'avoir testé en fin de vidéo Scrap Mécanique Survie mon bus un peu nul. Mais il était très bien, ton bus, Noah! Aujourd'hui, ce que je t'ai fait est énorme. D'ailleurs, la boîte est tellement grande que ça m'a saoulé et je l'ai même pas fini. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a l'intérieur. Ça, c'est comme les gens. L'emballage est éphémère, mais ce qui compte le plus, c'est la beauté du cœur. Mon Dieu, c'est tellement beau ce que je viens de dire. Vous voyez, l'émotion, elle commence déjà. Et on est qu'au début de la vidéo. Hein. Passez voir ma petite chaîne, le Dracofeugamer, si vous vous sentez de bonne humeur. Eh bien, écoute, on ira voir ta chaîne, le Dracofeugamer, et on te laissera tous un petit commentaire. Ouh la vache. Déjà, j'entends comme des réacteurs. Alors, c'est soit des réacteurs, soit une fuite de gaz. Je pense plus à des réacteurs. Attention, je la pose! Oh putain, ça va. Ça lag pas, c'est correct, ça me plaît, c'est joli. Il y a des bruits étranges à l'intérieur, c'est normal. Qu'est-ce que tu nous as renfermé là-dedans, mon vieux? Mais il y a Voldemort là-dedans, comment ça se passe? On l'ouvre! Oh putain, ça s'ouvre, les mecs! Oh la vache! Mais elle est énorme! Tant de mystères! Ouais, elle est... Oula. Bon, la porte, il y a les connectiques un peu à revoir, mais sinon ça... Mais quelle est cette diablerie? C'est un cochon volant. Alors attendez, on va le mettre dehors. Alors si ça vole, ça noie. Déjà, toujours pour éviter de pas laguer, on met la boîte de côté. Attends, c'est un porc volant ou... Alors attendez, il y a un bouton ici. Oh là là, oh là là. Mais c'est terrible. Mais on peut carrément monter du monde à l'intérieur et tout. On peut emmener tous les abonnés, on peut aller faire un voyage d'enfer avec ça. Alors attendez, il y a un bouton ici, il y a un bouton là. Bonjour et bienvenue chez Air Jolotte. Si vous voulez boire un petit mojito, un petit sky ou autre boisson alcoolisée, c'est le moment. Les jus de fruits sont à prendre avec modération. Alors attends, on va rentrer dans la cabine du capitaine. Ok, donc ça c'est pour le copilote, parfait. Eh franchement ça déchire hein. Le bouton 2 n'a l'air de pas faire grand chose, le bouton 3. Oh. Mais c'est énorme. Il déchire Noah, vraiment hein. Le bouton 4. Ok, c'est pour redescendre. Le bouton 5. C'est pour s'envoler un petit peu. Attention, c'est parti au décollage. Attends. Oula, oula, redresse, redresse, redresse. Je redresse les mecs. Ben moi qui voulais aller voir les grands-mères en haut, ben je suis pas rendu les mecs. On m'a dit que j'avais un peu abusé sur la dernière vidéo. Mais ça c'est rien les mecs. Par rapport à la prochaine vidéo que vous allez peut-être voir, vous allez certainement voir sur la chaîne. Oui, parce que je vous l'annonce, s'il y a 3000 likes sur cette vidéo, oui 3000, je vais créer la plus grande battle de grand-mère de tous les temps les mecs. Allez, place à la nouvelle mystery box de Louise Anini de B. Boîte surprise avec une surprise. Je pense que c'est une bonne surprise. Ça fait beaucoup de fois le mot surprise dans une seule phrase. Attention,
Elle est fat, la plus grosse du monde. Je la construis, Louis. La forme n'a pas pu être construite. Ah merde. Ah c'est con ça. Et pourtant les mecs, j'en ai des modes. Écoute Louis, je t'invite à me laisser une description sur ta Mystery Box, bien sûr en la renommant Jolade 2021 News machin nana, et avec les modes qu'il faut pour la construire. Ouh, en voilà une Mystery Box bien mystérieuse de la part d'Hugo qui nous dit this blueprint doesn't have a description. Elle a pas de description en fait, on la construit. Oh putain, elle est énorme. Certainement moins énorme que celle à Louis qui nous a dit que c'était la plus grosse du monde. À voir. Attention, je la pose, les mecs. Ça va, ça lag pas. Toujours aussi épique quand je pose les boîtes, tu sais, je sais jamais à quoi m'attendre. Elle est jolie. C'est pimpant, c'est rose, c'est chatoyant, c'est printanier, c'est quelques couleurs automnales sur le côté, un peu de bleu pour rappeler l'océan, l'été, la mer, le ciel. Je l'ouvre, Hugo. Oh putain, c'est parti. Oh la vache. Oh, cette ouverture, mon gars. Énorme, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette diablerie? J'enlève le bloc, je fais toujours un petit peu le tour de la boîte, parce que je vois s'il y a un truc mystérieux, peut-être un bouton qui... J'en sais rien, je ne sais guère, tu vois, peut-être une surprise, un secret. Bon, attendez, bougez pas, on va la mettre dehors. Pff, très bien, très bien. Oh, nous avons un bouton juste ici, j'appuie dessus. Très belle présentation, en tout cas. Il y a l'air d'avoir une terrasse en haut. Petit cochon et tout, c'est stylé. Hein. Un bouton ici pour refermer. Même pas. C'est quoi? Ok. Ça, je pense que c'est pour refermer la porte. Même pas. C'est pour faire quoi, ce bouton? On verra par la suite. On va l'éteindre. Oh là là, c'est stylé. Stylé, stylé, Hugo. Hein. D'accord. Petit balcon. Petite vue sur la nature et tout. C'est vraiment tranquille. C'est très stylé. Petite baignoire, bien sûr. Oh là là. Mais c'est énorme. Poste de pilotage, bien sûr. On va tout de suite se rendre sur la terrasse. Oh là 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 là. Mais arrêtez-le, quoi. Arrêtez-le. Attention. Je monte dedans, mon gars. On va allumer tous les boutons. On va voir ce que ça fait. Ah ouais. Pff. Oh, c'est stylé. Par contre, il est lourd. Hein. Il est lourd, mon cochon. Ah, il peine à avancer. Hein. Oh, une fois qu'il est lancé, on a l'air de plus l'arrêter, par contre. Hein. Eh ben, mon cochon, je sais même pas s'il va monter la côte, tiens. Elle est petite, pourtant. Elle est pas grande. Hein. Aïe, aïe, la montre à poids. Il repart même en arrière, tu vois. C'est très joli, Hugo, franchement. Eh bien, voilà une autre Mystery Box de la part de Victorf de la Croix. Salut, Jolate. De peur que tu n'ouvres pas ma première Mystery Box, en voilà une autre. Cette fois-ci, il n'y a pas de mode. Youpi. J'espère que ça te plaira. Amuse-toi bien. Précision, le contenu marche mieux sur un terrain plat. Ouh, on va voir ça. Bon, écoute, on est à peu près plat dans le coin. Plus ou moins. Très joli packaging. Très sobre. Petit point d'interrogation violacé un petit peu. Petite vitre teintée sur les côtés. Des blocs en métal. Un espèce de petit interrupteur juste ici. On va appuyer dessus. Attention, je l'ouvre, Victor. Oh là là, cette ouverture des temps modernes, mon gars. Mais c'est un véhicule du turfu que tu nous as fait là, mon gars. T'es dans le turfu, Victor. Comment ça, ça marche mieux sur un terrain plat? Non, mais ça marche mieux sur un terrain plat lorsque tu n'as pas de skill. Mais quand t'as du skill, comme moi, peut-être qu'il n'y a pas besoin de terrain plat. Ok, des réacteurs, j'espère que tu les as mis à fond. Ouh, quel mauvais abonné. Yes. Rie, mon gars. Deux boutons. Le 1. Oh putain. Et le 2. C'est terrible, les mecs. C'est un overboard. Regardez ça. Excellent. On va la reprendre, Victor. Pas de panique. Je vais y arriver. Victor qui nous disait ça marche mieux sur un terrain plat. Penses-tu, mon vieux? T'inquiète. Je slalom, moi, avec ton overboard. Franchement, il déchire. Il faut avoir un peu de skill, mais je l'ai, ce skill. Sans problème. Regarde, je passe même entre les arbres. Oh là là, et nickel. Franchement, il est bien. Il est bien, les mecs. Hein. Ah non, mais c'est génial. Hein. Alors attention, on va tester d'aller dans l'eau avec Victor. J'espère qu'il est waterproof. Ça passe, mon gars. Eh, c'est terrible, franchement, il se contrôle même mieux dans l'eau que sur terre. Je teste, est-ce qu'on peut remonter sur la terre comme ça avec? Et si on peut faire ça? Oh là là, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est terrible. Je le mets de côté, celui-là. Il peut servir en cas de coup dur. Ouh là, déjà, rien que celle-là, quand je l'ai changé, ça a lagué, mon vieux. Alors, GS1152, salut Jolade, je t'offre mon plus beau bijou de technologie de la GG Industrie. La technologie, c'est aujourd'hui, c'est le slogan. Étape de désassemblage du paquet fortifié. Ah mon gars, là, ça envoie du lourd, là. Rien que la description, j'en trempe déjà, j'en ai des frissons. Oh putain! Ah là! Attends! On va peut-être la mettre ailleurs. Oh la GG Industrie, qu'est-ce que c'est que ça encore? Regardez comment mon jeu il lag. Et pour l'instant, franchement, il y a SODE qui tient le palmarès du lag, hein, avec sa grande boîte et un cornichon à l'intérieur. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, le mec il a plus travaillé sur la boîte que sur le contenu. C'est vrai qu'il a tout donné sur le packaging, SODE. Hein. Attention, je la pose. Oh là là, regardez ça, comment qu'elle plane, quoi. Regardez ça, elle se pose même pas par terre. Oh là, comment mon PC respire quand je la pose sur le lift, mon gars. Bon, SOD, on a sorti les grands moyens. On s'est mis sur une, pas SOD, GS1152. On s'est mis sur un terrain plat, en espérant que ça passe. Et SOD, vous voyez, il est encore resté dans mon esprit, mon vieux. Oh, pfff, penses-tu, mon vieux? Et gros, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Putain, j'espère qu'il y a un truc de ouf, hein.
Bah, doit y avoir un truc de ouf, mon vieux. Il y a un sas de sécurité, un truc de décompression. J'appuie. J'ouvre. Enfin, je pense. Oh putain, ça a arrêté de faire du bruit. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre, les mecs. Mais qu'est-ce que c'est, gros? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, bougez pas. On va enlever ça. C'est la Gouilande. Hein. Ah, c'est la merde complète, disons-le. Hein. Oh, ah bah, attends, j'allais dire mon jeu, il a craché. Mon dieu, mais Nvidia, mais que faites-vous? Envoyez-moi la RTX, là, c'est plus possible. Vous voyez bien que ça veut pas, là. Attends, déjà, je vire la boîte. T'es mon vieux GS, t'es celui sur lequel j'ai passé le plus de temps sur la boîte et j'ai encore rien vu, hein, à part des lags. Oui, il a fait fumer mon PC celui-là. Hein. On va déjà tester la petite construction. Elle a l'air plutôt cool, franchement. Oh ouais. Oh, de ouf. Le 6. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est terrible. Pourquoi elle reste en l'air? Je comprends pas. Je vais descendre. On va la laisser en l'air. Voilà. Et oh putain. Oh merde. Oh, c'est con ça. Ah bah super. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? What the fuck, gros? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour monter là-dedans, moi? Il y a un problème, gros, avec tes constructions. Je crois que j'ai compris, les mecs. Oh là là, faudrait que je récupère ça. Bougez pas, j'ai une maison volante sur moi. Je vais tout de suite aller la chercher. Il y a tout qui part en couille avec ta boîte, GG, là. Allez, vole. Envole-toi un peu, là. Putain, mais qui c'est qui m'a fait cette maison volante encore, là? Qui c'est qui m'a fait une maison volante qui vole pas, les mecs? Non, non, parce que je vais pas ressortir la boîte et je vais encore mettre 10 ans à sortir les véhicules. Je vais sortir mon île flottante. T'inquiète pas. On va aller la chercher. Voilà, normalement j'ai ma trappe secrète et tout. C'est le bordel, hein. T'as vu tout ce que je fais pour ta boîte, GS? Non, ça c'est ma trappe secrète, c'est vrai. Trappe secrète activée. Non, faut que j'arrête avec ça. Bon, on va peut-être bien y arriver. J'ai été obligé de recharger la partie. Non, mais c'est le merdier, hein. Voilà, je pense avoir compris. Ça se passe avec le petit vaisseau spatial, là. Si c'est ça, mon gars, bah, c'est trop stylé. Je pense qu'il faut garer. Attends, putain, eh, c'est dur par contre, hein. Ça se trouve, je me fais chier pour en rien. C'est même pas ça, gros. Ah, ça y est. Ça y est, ils me remontent, les mecs. Regardez, c'était ça, putain. Oh, comment ça lag, mon gars. Par contre, ouais, c'est stylé de ouf, hein. Ok, il m'a monté à l'intérieur du vaisseau. Oh là là. Eh, c'est chaud, en vrai, hein. Ouais. Oh là là. Ouais, ouais, ok, 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 d'accord. Alors, attends, on va s'asseoir. Et c'est parti, mon gars. Ouais, comment c'est tendu, mon gars. Comment il est bien. Comment t'as dû mettre du temps à faire ça. Il est terrible. Goldorak. Ça me fait trop penser, genre à Goldorak et tout. Ok, mon capitaine, je crois que nous avons une mission. Merde, comment tu fais pour reprendre le vaisseau? Ok, je redescends dans mon vaisseau. C'est parti. Goldorak. Ok, c'est parti, mon capitaine. J'appuie sur les boutons. Ok, ça s'ouvre. Il faut que j'arrive à monter dans mon petit vaisseau. Ça s'ouvre que dalle. Ah si, ça s'ouvre. Putain. Ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, le vaisseau, il est resté sur place. Moi, je suis passé en dessous. Ouais, sympa. Et mesdames et messieurs, nous allons passer à un chef-d'œuvre. Une œuvre d'art. Quelque chose qui m'a procuré énormément d'émotions. Quelque chose qui va très certainement vous procurer énormément d'émotions. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y allait avoir de la construction. Je vous présente la construction de Fast Furious. Elle est... Non, c'est pas une construction, c'est tout simplement une œuvre d'art. C'est certainement encore un génie incompris de notre siècle. J'ai pas les mots. Putain. C'est pour ça que, Fafurio, je vais inventer un poème pour toi. Si aujourd'hui l'art avait un nom, elle porterait le tien. Cette souris, aussi jolie soit-elle, s'envolera par le ciel. À l'aube des cieux et du firmament, tu t'émerveilleras. Cette construction est signée de par son petit nom, Fafurio. J'aimerais qu'on fasse une minute de silence. Non, bon, voilà. Une demi-seconde aura suffi, en fait. Après tout, ne dit-on pas, un grand artiste n'a pas besoin de reconnaissance? Si je puis me permettre, je sais qu'on ne touche pas à l'œuvre des artistes. D'y rajouter un peu de gaieté, pour qu'elle soit un peu plus chatoyante. Voilà, je la trouve... peut-être un peu plus présentable. Je tenais à vous la présenter parce que c'est quelque chose quand même qui... Voilà, ça me tenait à cœur. Ah, ok, d'accord. Non, c'est ici. Ok, d'accord. Ah, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Et en plus, elle vole. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça, les mecs? Il n'y a rien d'autre à rajouter. Et tout simplement, c'est... Voilà. Je retiens mes larmes, hein, mais... Bon sang, je... Suisse sans voix. Et il m'en faut, moi, pour m'impressionner, je te le dis, il m'en faut quand même un petit peu. Il y a quelque chose, on va la laisser s'envoler avec les grands-mères. Je pense qu'elle mérite sa place autant qu'elle dans les cieux. Écoutez, je peux pas la laisser comme ça toute seule. Je suis obligé de vous faire une mamie version 2021, nouvelle génération. Et voilà. Écoutez, je n'ai pas préparé un poème pour ces deux merveilles. Je suis un peu pris de court. Envole-toi, ma petite grand-mère. Elle vole moins bien,
J'ai l'impression la nouvelle génération, non? Ouais, elle vole beaucoup moins bien. Disons qu'elle fait un peu plus de roulade, quoi. Mais elle est stylée. Elle est stylée quand même. Ah là, te revoilà chez toi. Ouais, elle est mieux. Ouais, ouais, elle est mieux que la nouvelle gène. Elle vole mieux, elle est bien plus stable. J'aurais dû m'inspirer de ses plans. J'en ferai une, les mecs. J'en ferai une nouvelle génération, vous inquiétez pas. Bienvenue chez toi. Quelle histoire de dingue.